Le président va arriver. Fais seulement un rafale. On fait la vidéo vous-même, vous allez pas s'en mettre 3 cm. Jacques. Maman, pour ça, on me à gauche, 3 cm. Là, tu m'appelles la montre. Vous avez été nombreuses. Si vous voyez qu'on a mis sous le pied, madame. Il n'y a aucun problème. Jacques, aucun problème. Jacques. Parce que les enfants. Ça va. Juste un peu. Un peu, pour qu'il voie tout le monde. Pour qu'il voie tout le monde, sinon on peut s'emboîter. Papa Chaco. Vous en avez un bon écho. À retourner.
Comment ça, Boya? On est en ligne, Boya. Sur la ligne. S'il vous plaît, mettez-vous sur la ligne. Sur la ligne. Derrière. Voilà. Encore. Voilà. Encore, s'il vous plaît. Allez. Jacques. Non, mets-toi tout droit comme ça il voit tous. Décompresse un peu. On a fait la photo, on sait ça, c'est pas la délégation. On arrête maintenant. Oui, moi je suis en train de filmer seulement, j'ai pas vu. S'il vous plaît. Il est bel et bien vivant. Aucune ne faut pas. Moi j'ai pris une bonne image de toi. En tout cas aux enchères. Je crois que je filmerai. Il y a mon cas. Oui, excellence. Nazari, Nakoloba. Parfait. Ça va, papa. Bonjour à tous. Merci d'être en direct. Vous nous suivrez aujourd'hui, demain et après-demain dans le cadre de la visite officielle du président de la République, Félix Tshisekedi, ici sur le sol français. C'est donc un séjour qu'il a entamé d'abord par l'hôtel des Invalides, qui est donc, on va dire, un monument pour célébrer ou pour honorer la mémoire de l'armée française, des fils et des fils français qui ont combattu pour la République française. C'est donc, on va dire, en quelque sorte un musée, hein, juste un endroit commémoratif pour célébrer l'armée française. Du coup, quand une délégation est en mission ici sur le sol français, la visite commence officiellement ici. Donc, si un président de la République arrive en France et qu'il ne commence pas par l'hôtel des Invalides, ça veut dire que la mission n'est pas considérée comme mission officielle ou mission d'État. Et du coup, président de la République de la RDC, accompagné de la première dame, des quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères,
le ministre de l'Industrie, le porte-parole du gouvernement, la ministre de la Culture et Arts, ainsi qu'une grande délégation de son cabinet, mais aussi des journalistes venus l'accompagner dans le cadre de cette mission, a commencé cette visite officielle ici à l'hôtel des Invalides à Paris. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, va s'entretenir avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale française. Il sera aussi à l'ouvrage, on va dire au baptême de l'ouvrage qu'il a écrit lui-même. L'ouvrage sera baptisé aujourd'hui. Demain est prévu mardi un tête-à-tête entre le président de la République et son homologue français Emmanuel Macron. Donc, fini, terminé par... Comprenez que nous sommes en direct et des Congolais, nos compatriotes, qui sont contents de la visite du président de la République. C'est tout à fait normal puisque c'est les aléas du direct. Alors, nous sommes avec une délégation des journalistes et là, le chef de l'État se dirige vers le Sénat français où il va s'entretenir avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Demain, il échangera avec le président français Emmanuel Macron, certainement sur la table des discussions, des questions relatives à l'économie, au renforcement de la coopération économique entre la RDC et la France. Comme vous le savez, en 2023, en mars, le président français Emmanuel Macron avait effectué une visite en Afrique. Il est également arrivé en RDC avec en toile de fond le réchauffement des relations économiques entre son pays et l'Afrique, la RDC et la France. Et ce sera aussi cette question qui sera évoquée au cours de cet entretien avec le président congolais, mais aussi la question sécuritaire à l'est de la RDC, car vous le savez, la France est un pays membre du Conseil permanent de l'ONU dans la recherche de solutions pacifiques pour la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La France aura aussi un grand rôle à jouer puisqu'il a droit, elle a droit de veto. Terminé l'étape de l'hôtel des Invalides, le président de la République se dirige maintenant vers le Sénat français. Oui, oui, mais bien sûr, il se dirige. Après-midi, donc après ici, la prochaine. Exactement. Après ici, prochaine étape, Sénat français, Assemblée nationale et puis le baptême de l'ouvrage. À tout à l'heure.